samedi qui était 24 novembre 2018, dans la matinée, nous avons gagné environ 6 à 8 agents douaniers qui étaient sous frontière Malpass. Mais heureusement, et tout employé n'y a pas encore arrivé, puisque c'est un bus qui mène au travail chaque matin et qui retourne avec eux chaque après-midi. Donc, agents que nous avons sur place, ce sont déjà agents qui nous relaient agents de la surveillance douanière. Donc, et arrivé gagnon, y en a des camions qui t'a passé avec des marchandises. Bon, peut-être marchandises qui t'es qu'à, des marchandises qui suspectent puisque et contrebandiers pas accepté pour agents ça a été vérifié ou contrôlé marchandises. Donc c'est alors et vingt une altercation entre douaniers pas nous avec ça nous les contrebandiers puisque nous pas qu'à dire des usagers de la douane. Parce que l'usager de la douane, c'est un citoyen qui connaît et mission la douane, mission de contrôle, mission fiscale, mission de protection. C'est là ça, nous sommes capables de dire que c'est un citoyen qui vient des douanes. Mais dans la mesure où un citoyen ou vient dans la douane, ou du moins dans la frontière quelconque, passe en dehors des douanes, il est qualifié comme contrebandier. Depuis que les marchandises ne sont pas canalisées vers la douane, puis un traitement spécial, ou sont contrebandiers. Donc, la douane, dans la mission de contrôle que les gagnent, souvent, en pile monde dans la société, il n'y a pas de mission la douane. Même monde qui est contrebandier, il n'y a pas même rendu compte que la douane a travaillé pour lui, la douane a travaillé pour le protéger. Lui. Puisque la douane n'a pas une mission seulement fiscale, mais dans l'autre pays, mission de protection est plus forte, par exemple, les États-Unis, que mission fiscale. Là. Mais Haïti, qui est le pays nous, c'est plus mission fiscale là, puisque le pays a plus reposé sur importation. Donc, le pays n'a pas produit. Donc, en gros, nous, la douane, t'es capable, ou du moins le pays, t'es capable, tout agent douanier, ça aussi, bus qui pote dans la douane Malpass là, t'es arrivé Malpass. C'est bien malheureux, c'est comme ça que ça a passé. Et bien, je dis, hein, nous venons pour nous dire, pour nous voir, un mot de réconfort à famille douanier Sayo et pour nous dire sincères condoléances. Nous venons également pour nous voir un mot de réconfort pour famille douanière qui a souffri, je dis, hein, qui c'est collègue nous, frère nous, c'est nous. Donc, pour nous dire sincères condoléances parce qu'il y a tant de ça. Eh bien, donc, nous censés recensé et 4 corps qui moun sa définitivement te brûlé avec ça que l'hôpital et en gros c'est quantité ça que nous gagné après tout rapport final après tout et procès-verbal c'est 4 moun que la douane perdit dans événement malheureux qui passé samedi qui était 24 novembre 2018 là pour funérailles là donc il y a bail et où ça y a un funérailles officiel. OK? Et funérailles là la fête demain matin à 9h dans parc du souvenir. Et gen moun toujours dit yo fait grand nèg pas payer, yo fait malheureux payer. Bon moi c'est malheureux mieux pour ta faire grand nèg payer malheureux pas payer. Son malheureux mieux. Mais gon bagay qui dit bay César. Ça pour César, à Dieu, cigarette à Dieu. Malheureux payé en fonction de ça, li importé. Grand nèg payé en fonction de ça, li importé. Il y a 3 éléments que moi retenu et que m'ta aimé partager avec nous dans ça qui passé. Premier élément, c'est que agent douanier yo intervenu dans 4 travail yo. Dans 4 travail yo qui consistait en fouiller, contrôler marchandises que yo suspecte qui doit taxer. Et ce travail ça qui permet que l'État rentre l'argent, qui permet que l'État paye fonctionnaires, qui permet que l'État paye la police, qui permet que l'État paye tout l'autre pouvoir qui constitue l'État. Il faut attirer attention nous que plus gros source de financement l'État actuellement, c'est la douane qui assure.
à travers sa mission fiscale. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que monsieur est intervenu dans le cadre pouvoir, dans le cadre d'autorité que la loi et l'État baillent. Deuxième élément, c'est que Negio a fait travail, yo, yo joigne un obstacle. Et à la suite de l'obstacle, ça, yo fait ça que la loi mande yo, yo insisté pour que contrôle la fête. Et c'est ça qui mène en situation de conflit, de discussion, qui permettent que, à 8 heures du matin, comme dit nous que l'événement a commencé à 8 heures du matin. Et que, dans le moment ça, discussion a commencé, RICS a commencé, entre contrebandiers qui n'ont pas accepté que douaniers ont fouillé, et douaniers eux-mêmes qui investissent dans un pouvoir légitime que l'État a. Discussion mette, etc. Et douaniers ont arrivé dans une situation côté vie vient en danger. Le vie en danger. Il fait tout ça, c'est un citoyen normal qui doit faire, c'est rechercher secours la police. Et à un certain moment, il a quitté le bureau de douane pour aller réfugier dans le commissariat de police. Et là, Mabzili, la police faillit à missionner pour protéger la vie. Et c'est dans le commissariat que ce monsieur a brûlé. Il a brûlé vif. Yo brûlé vif. Il y a trois là-dedans qui brûlé en deux commissariat. Il y a un quatrième, Rony Pierre. L'heure commence à prendre du feu. L'a laissé plonger dans la clé pour capable calmer douleur. Et c'est là que lui-même lui mourit. Troisième élément que moi je voulais mettre attention sous lui et que je me suis mettre attention sous lui, c'est que nous sommes capables de faire contrôle ensemble avec moi. De 8 heures du matin, l'événement a commencé, M. Omouri à 3 heures de l'après-midi. L'État haïtien a failli protéger de monde que lui voyait à le fond travail. Ça leur a pris 7 heures de temps pour organiser un backup, pour organiser un secours, pour venir en aide. Et bien, pendant 7 heures de temps, et bien, l'État haïtien n'est pas arrivé à sauver la vie 4 personnes que l'y voyait à le fond travail. C'est une situation que moi-même, personnellement, je n'ai pas même un mot pour décrire ce qui passe. Que des personnes soient brûlées vivants. Les gens brûlées vivants. Et pendant 7 heures de temps, il a demandé secours. Responsable à droite a demandé secours pour eux. Ils ont même demandé secours. Ils ont mouru dans un commissariat de police. Naturellement, c'est la vie. C'est peut-être la seule consolation que nous gagnons, c'est que nous disons que dans la vie, tout est possible. Il y a des bons moments comme il y a des mauvais moments. Si nous avons un encouragement dans ce qui passé, c'est que l'État conscient de l'erreur qu'il fait, l'État conscient que tu es en négligence, l'État conscient que tu es en défaillance, et à tous les niveaux de l'État, que ce soit au niveau exécutif, etc., à tous les niveaux de l'État, moi, je dis bien, ils sont conscients qu'il y a un problème et qu'ils prennent des dispositions pour assister les familles, pour aider, et que la douane est lui-même en première ligne, etc., là, fait tout ça le capable. Ministre Finance et Justice, qui actuellement vraiment imbu des questions, ils sont en train des dispositions pour que la situation soit enquêtée, pour que des investigations qui entreprennent. Deux enquêtes sont déjà initiées pour être capable de déterminer responsable, pour être capable de déterminer défaillance, et que pour au moins cette fois, pour que l'impunité ne pas venir aggraver, pas venir enlaidir la situation. Parce que si ça passe, pas t'a puni, eh bien, nous avons assassiné ce monsieur une deuxième fois. Contrebande, c'est un poison. Contrebande, c'est un cancer. Et l'organe contrebande, il bloque le développement économique. L'organe contrebande, il bloque la production nationale.
l'organe contrebande, li bloquer création d'emploi. Moi-même, je crois que si pas de gain contrebande, l'État tape gain assez moyen en main. La douane tape gain hélicoptère pour le survoler au secours de frère Noyo qui était en difficulté mal passe. Si pas de gain contrebande, l'État tape gain assez de moyens pour le déployer en force pour ça passer à li pas passer. Et en raison de ça, administration générale douane mandé toute population puis au fait un seul avec la douane pour aider nous combattre fléau ça. C'est vrai, responsabilité directe là lien comme à la douane, mais participation population a compté pour beaucoup.